Allez, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo sur Live Alive. Je suis super content de vous retrouver pour la suite du coup de la préhistoire. Donc on a pas mal avancé dans le précédent épisode, on a pas mal XP, bon ça vous l'avez pas vu. On a explosé le mini boss, j'ai envie de dire, et là maintenant on va pouvoir continuer d'avancer. Donc grosso modo, là j'ai une puissance quand même plutôt énorme, hein, on va pas se mentir. Je fais pas mal de dégâts. Hop, quand je manque ma cible, bien sûr. Allons-y. Pas trop mal, pas trop mal. Le problème c'est que là on a été pris en étau quand même. Et j'ai l'impression qu'ils sont plus forts que d'habitude. On va essayer avec ça. Ok, nickel. Aïe. Pas trop mal, mais c'est pas ouf. Aïe. Bon, ok, on aura eu un déjà, c'est un bon début. On va se soigner un petit peu. On va encore se soigner. Allez, vas-y mon petit. Oh non, pourquoi il a fait ça? Mais j'avais pas sélectionné ça. Il est sérieux lui ou quoi? C'est une blague ou quoi? Bon, c'est pas grave. Pas comme si j'avais pas ça. Allez, go. Jamais essayé cette attaque. D'accord. Ils sont forts quand même. Parce qu'ils ont là, mais ils sont très très forts. Toujours pas mort. Bon. Ah, quand même. Ah bah j'ai récupéré l'énorme cuisson de viande, vous voyez comme quoi. Ah oui, il y a un paquet de monstres effectivement. Ah mais j'ai touché personne là. Et en plus à chaque fois je me fais prendre un étau, c'est un peu chiant ça par contre, on va pas se mentir. Bon, on va faire ça. Ah, ça c'est des choses qu'on aime. Thank you.
Désolé les petits sangliers là, mais dites adieu à la vie. Allez, niveau 10. Fait toujours plaisir ce genre de choses. Ouch. Je le sens moyen. Ok, bon, les petits, ils sont battus. Maintenant, on s'occupe des éléphants. Enfin, c'est pas vraiment des éléphants, c'est plus des mammouths. Alors. Bon, on va faire ça pour l'instant. Allez, nickel, on en a un déjà. Nickel. Combien je lui fais avec ça? À 109 quand même, c'est pas mal. Et ben voilà, c'est ça qu'on veut. Et du coup Pogo monte au niveau 10. Et ça fait plaisir, écoutez, on va pas se plaindre. Ah tiens. Ouais, je m'en doutais. C'est le même que de l'autre côté. Du coup, j'ai de la peau séchée que je peux utiliser par exemple avec de la peau. Ouais. Trop de bêtes avec perdu. Voilà. Corne de bête, perdu. Ah, génial. Qu'est-ce qu'il me reste? Peau et bâton. Gourdin de feu. Ok, alors voyons voir ce que j'ai du coup ici. Ah bon, le gourdin de feu m'intéresse pas forcément, mais par contre de ce côté, si. Le poil de torse, je l'avais déjà. Là par contre, ça je l'avais pas, c'est pour ça que j'étais plutôt content. Et la jolie fleur, ça m'en fait une de plus. Nickel. Toi du coup, t'as rien de plus ici. Là non plus, là non plus. Ok. Bah écoutez, je pense qu'on va faire une petite sauvegarde et ça fait pas de mal en général. Donc tous les deux niveau 10. Et on va rentrer dans cette grotte. Je sais pas trop ce qui nous y attend. Est-ce qu'on va directement les retrouver ou pas? Ouais, on arrive à leur camp directement. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, maintenant c'est lui qui en peut plus. Il va sauter, c'est obligé, il va sauter. Ah, bah d'accord, laisse tomber, il écoutera plus. Oh mon dieu. Je sais pas trop ce qu'il a fait, mais je pense qu'il a fait un strike.
Ouais, il les a tous mis KO. What? Ouais, ça a des... Tu déconnes. J'aurais peut-être pas dû venir là. Ah bah non, ça va. J'ai eu peur, sur le coup, je me suis dit, putain, c'était un piège ou quoi? Ah oui, d'accord. Bon, c'est presque comme un piège, on va dire. Ah, des petits objets, ça fait plaisir, ça. Un couteau en pierre. Une pierre dure. Attendez, il y en a encore un. Une peau. En train de visiter leurs locaux tranquillement. C'est ça qu'il faut faire dans la vie, hein. Il faut prendre un petit peu de liberté. Voilà. Ah. On reviendra peut-être avec lui, hein. Ce sera plus simple là. On va aller le chercher quand même parce que je pense qu'on aura besoin de lui. Mais je fais quoi, moi? Mais non, tu déconnes! Ils sont tous avec moi? T'es en train de me dire, mais ils m'ont entouré? Mais en fait, non. Ah bah, elles sont plus avec moi. Chelou! Ok, bon, on va voir le niveau qu'ils ont, eux. Ouais, je m'en doutais un petit peu. Franchement, c'est prévisible. Ok, on sort par là. Et on arrive à sortir. Oh bah merci. J'ai très aimable à vous. Ça me rend un fier service. Ok, donc je pense qu'on va arriver sur la scène qu'on avait vue au tout début du jeu. Voilà, là où il veut la faire utiliser un sacrifice, le fou de leur tribu. On va savoir pourquoi. Ah.
Vous êtes pas prêts, les gars. Vous êtes pas prêts à ce qui va vous arriver. C'est trop stylé l'effet de profondeur comme ça. C'est vraiment pouvoir y arriver. Et c'est reparti pour un tour. En combat singulier une fois de plus. Ah, je lui fais moins de dégâts que la dernière fois quand même. Allez go, vas-y. Saute. Il se passe quoi là hein? Qu'est-ce qui se passe les gens? Le vrai boss arrive? Dans la version préhistorique, mais non, tu déconnes. C'était ça en fait, c'était un sacrifice pour que les une créature particulière se calme. Ça va être un dinosaure, c'est obligé. Oh là 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 là. Ils vont s'allier, ils ont pas le choix. Non, même pas. Il va rester et nous regarder faire. Ah bah si, il va rester et nous regarder faire. Et j'avais raison, c'est bien un dinosaure. Ah non, ça va quand même. Alors, on va voir s'il a des vulnérabilités comme d'habitude. Bon là, à première vue, j'ai pas l'impression. Alors, on va essayer cette attaque. Voir combien de dégâts elle fait, parce qu'en général c'est une donnée plus forte. Ok. Lui, sa plus forte c'est celle-là. Elle, elle peut faire ça. D'accord. Il risque de me faire mal, je vous le dis direct. Lui, c'est quand même un dinosaure. Juste au cas où.
Allez, on va voir avec le feu comment je peux lui faire des dégâts. Et toi, qu'est-ce que tu peux me faire? Moyen, élevé. Ah, ça c'est élevé. Fight 71 à peine. Ah, mais remarque que je fais 75 aussi avec lui, donc tu me diras. Ah, elle, franchement, elle vient de lui faire du 300 de dégâts, au calme. Ah mince, ça c'est un petit peu con. Bon, après en vrai, il est parfaitement réalisable de le battre. Si elle attaque avant lui, j'ai gagné et ils seront tous en vie pour la fin. Je savais bien que ça allait arriver. Ce qui veut pas dire qu'elle aura pas de points d'expérience pour autant. Donc voilà, je vais le battre là, donc c'est bon. Eh bien écoutez, il était sympa ce petit boss quand même. Et voilà, du coup, c'est terminé. On a fini cette petite histoire de la préhistoire. Elle était un petit peu plus longue que les autres, j'ai trouvé. Avec la partie, du coup, un peu où il fallait XP. Mais en finalité, pas si longue que ça, puisque, bah, comme pour les autres, j'ai fait à peu près 3-4 vidéos dessus. Donc, finalement, on est quand même sur la longueur habituelle, j'ai envie de dire. Non, c'est bon, toi tu vas vivre une véritable orgie, donc ma foi. Ouais, tu m'étonnes. Mais c'est une blague. Mais ils ont vraiment fait ça. Ils ont vraiment fait ça, mais c'est une blague. J'en reviens pas. Là, j'en reviens pas. Bah écoutez, ça fait plaisir. Hein. Quatrième histoire terminée. Donc la préhistoire, c'est la première. Mais je me demande s'il y a une logique quand même à l'ordre des badges. Puisque du coup, ça fait préhistoire, futur lointain, Chine impériale. Et un petit peu plus loin dans le futur proche. Donc là, il nous manquera le Far West, le présent et le Japon d'Edo. C'est franchement pas mal. Alors du coup, j'ai mis 11h30 pour faire ces 4 histoires, ce qui fait globalement une moyenne à un tout petit peu moins de 3 heures par histoire. C'est ce que je vous avais dit déjà l'autre jour, ou que je vous dirai. Ça dépend dans quelle heure je sors les histoires. C'est ça le problème avec ce jeu, c'est que je ne sais pas dans quelle heure je vais vous sortir les histoires, vu qu'elles sont toutes indépendantes. Et du coup, c'est un petit peu compliqué de savoir ce que je vous ai dit ou pas dit encore, puisque je tourne tout assez rapidement, puisque vous le voyez, on est toujours le 22 juillet. Bah écoutez, moi là, je vais m'arrêter là, je vais aller manger tranquillement, faire mes petits montages, et on se retrouve très vite pour la suite. Je vous dis à très vite, bye bye.